Expérience de mort imminente, heureusement qu'elle est imminente, sinon ça veut juste dire que t'es mort. Elle est où la lumière blanche? Lucas. 18 piges, à l'époque je suis tendu, comme un mouton, j'ai le mental fondu. Par jour le minimum, c'est 30 douilles, mon esprit part en couille, c'est tendu. En un an j'ai coulé le kilo, imagine un peu ce que j'ai vendu. J'aurais pu rester collé sans la philo, ou finir pendu. 7 ou 8 ans plus tard, c'est la nouvelle. Ça fait quoi, genre 4 ans que j'ai mal au crâne? Vu mon manque de sommeil et le shit que je crame, je mets mes inquiétudes à la poubelle. C'est du déni, je vomis de l'air. Je morfle et je mens comme un faussaire. Pour calmer ma mère, je passe un scanner. On me dit que j'ai une balle de golf dans le faussaire. Une caisse dans la gueule, ça va trop vite, comme la vitesse à laquelle on cogite. Je veux pas d'ail avant la daronne, logique, mais je me suis vu devenir paraplégique. Si jamais j'avais perdu confiance, peut-être que j'aurais perdu conscience. Peut-être que j'aurais perdu le confort. On est toujours plus fort que ce qu'on pense. J'ai pas signé d'accord avec Ezeki, mais je souris plus fort que n'importe qui. Mon âme et mon corps, elle a voulu pesquer, mais je connais assez la mort pour la vesqui. Elle viendra peut-être plus tôt si tu fais style. Faut pas trop jouer avec elle, c'est risqué. Tu peux te faire niquer pour raison fiscale. Et yo fiscal, calme-toi si tu veux son respect. J'en connais plein qui sont partis trop tôt. Avant 2000, on prenait même pas de photos. Avant 2000, t'étais pas né, moi je fumais déjà. Je l'appelais cousin, c'était mon poteau. Il faut vivre en honneur de ce parti. Il faut vivre fort, il faut vivre bien. Même si le bonheur te paraît tardif, avoir peur de la mort, ça sert à rien. Une caisse dans la gueule, ça va trop vite, comme la vitesse à laquelle on cogite. Je veux pas d'ail avant la daronne, logique, mais je me suis vu devenir paraplégique. Si jamais j'avais perdu confiance, peut-être que j'aurais perdu conscience. Peut-être que j'aurais perdu le confort. On est toujours plus fort que ce qu'on pense. À force de ressusciter et de mourir à chaque fois, quand j'entends parler d'essai, j'ai le regard froid. Bouche cousue et motus, j'ai la foi. En position du lotus, je m'assois. Quelques larcins, mais pas niveau pasqua. J'écris pour ceux qui poursuivent un but, pour tous ceux qui sans appeler ça comme ça lutte. Hey yo, chez vous, il se passe quoi? L'important, c'est dans le mental qu'il faut le chercher. Tu comprends quand la folie te frôle. Avant, j'aurais sûrement trouvé ça drôle, mais c'est l'acupuncture qui a fait que je suis pas perché. Le corps et l'esprit, l'entraînement, l'habitude. Avec une autre attitude, si ça se trouve aujourd'hui, je pourrais même plus marcher. Une caisse dans la gueule, ça va trop vite, comme la vitesse à laquelle on cogite. Entre tristesse et joie, faut pas que t'hésites. Force mentale et cœur à tous mes paraplégiques. Si jamais j'avais perdu confiance, peut-être que j'aurais perdu conscience. J'aurais sûrement perdu plus de confort, mais on est toujours plus fort que ce qu'on pense. Peace.